L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors donc, cette histoire s'intitule « Des ennuis pour l'emmerdeur ». Au début de l'année 2006, la pièce « L'emmerdeur », interprétée par Patrick Timsit et Richard Berry au Théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris, connaissait un grand succès. Depuis des semaines, la salle ne désemplissait pas et à la sortie de la pièce, comme dans la presse, les commentaires enjoués fusaient. Une belle réinterprétation, c'est drôle, c'est tordant, etc. La pièce promettait une belle tranche de rire. Le succès fut tel que quelques personnalités se déplacèrent pour assister à la représentation. Et le 9 février 2006, Yannick Noah et Valérie Giscard d'Estaing se mélangeaient ainsi à la foule des anonymes. Les trois coups sont frappés, le rideau se lève et les deux comédiens vedettes apparaissent devant un public déjà conquis. Les répliques fusent, les rires les accompagnent, beaucoup de rires, peut-être même trop. Car voilà qu'au milieu de la pièce, un spectateur est soudain pris d'un fou rire incontrôlable. Alors que tout le public a repris son sérieux, notre homme continue de s'esclaffer encore et encore, à tel point qu'il s'évanouit. Ses voisins alertent la salle par des cris de stupeur. Décontenancés, Patrick Timsit et Richard Berry interrompent leur jeu jusqu'à l'arrivée des pompiers. Après quelques minutes d'attente, l'homme toujours sonné est évacué par les secours. La pièce peut reprendre son cours, mais pas pour longtemps. Quelques répliques plus tard, un spectateur installé au balcon rit si fort que son voisin incommodé menace de le frapper. Les autres spectateurs réagissent. « Mais enfin, vous êtes fous !» crie l'un d'eux. En quelques secondes, c'est la cacophonie dans la salle. Et il a été impossible à Richard Berry et à Patrick Timsit de terminer leur pièce. Les comédiens de l'emmerdeur ont bien été embêtés. Alors, est-ce que vous connaissiez cette histoire autour de la table? Parce qu'on aurait pu la connaître. Hein, ouais, alors, ouais. Thomas Hervé, est-ce que vous y croyez? Quand il y a la poisse, hein, quand ça veut pas rire, ça veut pas rire. Donc oui, on pourrait penser qu'il en rajoute, mais parfois il y a des soirs où c'est la poisse. Quand ça veut pas rire, ça veut pas rire, c'est ce que je dis tous les soirs à Thierry Moreau qui fait partie de l'équipe de Touche pas mon poste. Il ne comprend pas encore. Là, Jean-Luc Lemoine. Non, mais c'est très bizarre. Quand tu dis quand ça veut pas rire, ça veut pas rire, quand t'as la poisse. La poisse, c'est quand il y a Valéry Giscard d'Estaing qui vient te voir au théâtre, c'est ça? Peut-être que les deux étaient chat noir. Moi, je connais l'histoire où un spectateur a frappé un autre spectateur parce qu'il rigolait trop. Patrick Timsit nous l'a raconté. Après l'évanouissement, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pas le petit plus de Pierre Bellemare? Il a voulu en rajouter. Mais la deuxième est vraie. Il rajoute souvent des évanouissements dans ses histoires. Valérie Benaïm. Moi, je suis d'accord avec Jean-Luc. C'était une des anecdotes ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Si on vous laisse remettre tout ça dans l'ordre et on vous retrouve dans un instant sur Europe 1, mais sur Dick Rivers. Ah, j'ai envie de dire un petit peu la même chose. Il m'a semblé entendre que des choses se sont passées pendant que cette pièce se jouait, mais je pense que là, deux événements comme ça au même moment. Moi, par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y ait dans le même soir Valéry Giscard d'Estaing et Yannick Noah. C'est normal, ils étaient en couple. Ils sont très potes. Mais ils étaient ensemble à l'époque. C'est ça qui m'a... Ah oui, mais ils étaient ensemble. C'était pas du tout les deux. Je peux vous dire, ils jouaient sur terre battue. Bien sûr. Tout le monde pense que vous avez exagéré. Ben, pas tellement. Car il y a bien les deux incidents dans un même soir, alors que Valéry Giscard d'Estaing et Yannick Noah sont là. Donc c'est ce soir-là qu'il y a les deux incidents avec les rires. Et que quelqu'un s'évanouit, tout est vrai. Sauf... La seule chose qui n'est pas vraie... Ils ont pu reprendre la pièce. C'est qu'ils ont pu reprendre la pièce. Voilà. Ils ont fini la pièce. Mais sinon, le reste est entièrement vrai. Incroyable. Une pièce, vraiment, pour qu'elle soit arrêtée, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de très, très grave. Donc moi, je me suis dit aussi, la pierre, il a rajouté ça. Moi, j'étais sûr que vous aviez rajouté ça, Pierre. En plus, on est comme ça, tous les deux. Oui. On devrait dormir dans un lit superposé, tous les deux. Vous seriez en haut, je serais en bas. Pourquoi superposé? Oui, je préfère démarrer comme ça, avant de me superposer avec vous. Superposons d'abord le lit, Pierre. Hein, ça sera déjà un grand pas.